J'étais là. Oh, ma chérie. L'emblème est de votre souveraineté. Don béni, des aïeux, au pays, bienvenue. Je suis dans mon place, vraiment. Mon frère, il n'y a pas de place là-bas. Il n'y a pas de place. Les députés sont derrière. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Où tu t'assois pour quitter des places? Assieds-toi. Prenez place, assieds-toi. Prenez place. Les gens qui sont derrière. Alors, assieds-toi. Prenez place. Asseyez-vous. Ok, ok, ok. Caméraman, photographe, prenez place. Soyez sûr que vous êtes assis. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs, après la place. Honorable député et sénateur, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre de Le Front Hôtel. Et nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse. Vous êtes de la presse nationale et de la presse internationale. Et en face de vous, l'informateur. C'est lui-là même qui a été désigné par le président de la République en date du 1er janvier 2021 pour identifier une nouvelle majorité au Parlement. J'ai cité le sénateur Modeste Obasi-Lukwebo. Avec lui, les membres du panel qui l'accompagnent. Il s'agit du professeur Cachemire Colongel-Ebiran, du cabinet du président de la République en Vichy, l'honorable Sami Badi-Balantita, l'honorable Rémi Massamba, de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, de l'honorable Dany Banda Maloba, de l'honorable Vincent Okoyo et de l'honorable gouverneur Gentini Nobila. Dans le déroulé de ce jour, nous allons en priorité accorder la parole à l'informateur, le sénateur Modeste Obasi-Lukwebo, pour sa communication. Et juste après, nous allons vous accorder la parole à vous, la presse, pour le jeu de questions-réponses. À présent, nous accordons la parole à l'informateur, le sénateur Modeste Obasi-Lukwebo, pour sa communication. Est-ce que ça va? Tu as un peu? Voilà, merci. Mesdames et messieurs de la presse, la bouteille d'eau. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Et le verre. En dépit de vos multiples occupations, et profitant de cette occasion pour vous présenter à vous et à vos familles respectives les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021. Comme vous le savez, il a plu à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier, conformément à l'article 78 de la Constitution,
en date du 1er janvier 2021, une mission d'information en vue d'identifier une coalition majoritaire au Parlement. J'en ai été notifié le 5 janvier 2021. Cette désignation est intervenue à l'issue de son discours du 6 décembre 2020, au terme des consultations des partis politiques et regroupements politiques, ainsi que des forces vives de la nation menées par le président de la République, chef de l'État. Il vous souviendra qu'à cette date, le président de la République, chef de l'État, avait annoncé plusieurs mesures dans le souci d'améliorer la gouvernance publique de notre pays et ainsi poser les bases nouvelles d'un état de droit et du développement économique et social de notre pays. Il était donc normal qu'après ma désignation, je me mette à l'exécution des tâches inhérentes à la mission me confiée, assister des personnalités qui ont été choisies discrétionnairement par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il était donc normal qu'après ma désignation, que je puisse donner la méthodologie de travail qui consiste à recueillir les mémos et les cahiers de charges des consultés, faire la synthèse et la mise en commun des mémos et cahiers de charges recueillis, dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale, identifier une coalition majoritaire au Parlement en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de la République. Je voudrais ici rassurer les uns et les autres que le contenu des mémorandums et autres préoccupations exprimées par les chefs des partis et regroupements politiques ainsi que par les élus du peuple sera consigné dans mon rapport final à présenter à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi de préciser que depuis le début de ma mission, tous les préalables nécessaires ont été réalisés. Dans cette optique, j'ai pris des contacts avec différentes forces politiques qui constituent le Parlement. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union sacrée de la nation, afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018 et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. Parlant de l'Union sacrée de la nation, je précise ici qu'il ne s'agit ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique. Il s'agit d'une vision républicaine du président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de rompre avec la mauvaise gouvernance du passé et lancer les bases nouvelles d'un état de droit et du développement intégral de la République démocratique du Congo, visant le mieux-être de chaque citoyen. Par voie protocolaire, les invitations seront lancées aux partis politiques, regroupements politiques et personnalités ayant des députés nationaux à l'Assemblée nationale. L'étape du Sénat suivra. Ces audiences démarrent ce mercredi 20 janvier 2021, ici à l'hôtel Fleuve Congo. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue heureuse de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. Je ne saurais clore ce petit mot sans rappeler que la démarche
du chef de l'État a pour finalité de concourir au bien-être de la population congolaise dans toute sa diversité, en s'appuyant sur des axes majeurs, notamment la paix et la sécurité, le développement économique, les réformes institutionnelles et électorales, le bien-être social, l'environnement et le développement durable, le tout par et grâce à des femmes et des hommes nouveaux dans leur comportement et qui prennent la résolution de rompre avec les antivaleurs et de les combattre. J'invite donc la population congolaise à adhérer totalement à la vision du chef de l'État pour en assurer la réussite totale. Je vous remercie. Communication de l'informateur, le sénateur professeur Modeste Baptiste-Bébou, place à présent au jeu de questions-réponses, mesdames et messieurs de la presse. Nous allons prendre trois séries de cinq intervenants. Vous savez comment ça se passe, vous vous manifestez, vous levez votre main et vous présentez, et la presse, votre média, vous présentez également. Et soyez bref, clair et concis pour justement recevoir les réponses à vos questions. Roland Issot, Molière Télévision. Monsieur l'informateur, tout à l'heure, vous avez dit que l'Union sacrée n'est pas un regroupement. Alors, que dire déjà de ceux qui ont adhéré, qui en parlent comme une coalition prolongée? Il y en a même qui ont déjà plébiscité le chef de l'État comme candidat commun pour 2023. On parle là du Front patriotique. Je vois une main là-bas. Merci pour la parole. Monsieur Séjour Kabil Danga, journal de Black News. Monsieur le formateur, comment allez-vous vous partir? Quel organe là? Quel organe? Black News. Comment allez-vous vous départir pour consulter les regroupements politiques AFDC-ALDE? Et quels sont vos sentiments envers ce dernièrement que vous avez quitté? Merci. Dadi Songozo pour le compte de TV5 Monde. Monsieur l'informateur, vous avez déjà fait votre travail d'informateur de façon non officielle et aujourd'hui vous voulez officialiser. Dites-nous si la mission qui vous a été confiée est facile ou difficile au regard du contexte politique congolais. Merci. Manifestez-vous. Madame. Oui, j'essaie. Comment tu as arrêté, papa? Merci beaucoup, c'est étonnant. Allô? Merci beaucoup, c'est Edmond Isouva pour le compte objectif info.cd. Avant même que vous commenciez le travail, nous avons encore l'impression que vous avez déjà cette majorité. Vu les déclarations et les adhésions en masse, est-ce que votre travail ne serait juste pas une formalité sur le plan administratif? A question in English, His Excellency. Yes, ma'am, make a difference. What is the problem? Is it a language? Happy New Year, His Excellency.
informant. Congratulations for your appointment as informant by the president. My first question is very simple. The majority of Congolese people are a little bit confused concerning the meaning of the sacred union of the nation, because there is no charter or any written strategic plan to get the message across. Do you agree with me? And I have a second question. Can you adjust your mic? Attendez. Thank you so much. My first question is very simple. The majority of Congolese people are a little bit confused concerning the meaning of the sacred union of the nation, because there is no charter or any written strategic plan to get the message across. Do you agree with me? And the second question, is it possible to move the Democratic Republic of Congo forward with the same old politicians? I mean, people who worked with Mobutu, Kabila father, Kabila son, are still around without vision. What should be done in order to get rid of them? Thank you so much. Merci. Maintenant, nous allons donner l'occasion à l'informateur de répondre à la première série des cinq interventions. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous attachez à ce point de presse. De vos lières divines, j'ai entendu la question qui est posée concernant la prolongation d'une coalition supposée, et il parle d'un groupe de personnes qui souhaite que le président Tshisekedi soit l'unique candidat en 2023. Je voudrais d'emblée dire que les propos qui ont été prononcés par les personnes auxquelles vous faites allusion n'engagent que leur propre personne, n'engagent ni le chef de l'État, ni l'informateur, encore moins les assistants qui sont dans notre panel. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit de rompre définitivement avec le passé. Quand on parle de la rupture, ça veut dire qu'on ne peut pas non parler en même temps de la continuité. On ne peut pas à la fois parler de la continuité et de la rupture. Ceci pour vous dire que si vous vous référez à mon exposé de tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur le changement de comportement. Et donc, pour nous, nous savons qu'il s'agit d'un changement radical auquel nous avons souscrit. Ce n'est pas du tout la continuation de la coalition FCC-CACH ou de la coalition ou du programme du FCC. C'est vraiment du nouveau. Deuxièmement, vous dites qu'il y a un groupe qui souhaite que le chef de l'État soit l'unique candidat et que cela soit consigné dans la charte de l'Union sacrée. Il n'y a pas mauvaise idée ou mauvais conseil ou mauvaise prétention que celle de vouloir pousser le chef de l'État à la faute et à l'erreur. Nous sommes dans la démocratie, on doit respecter les libertés des uns et des autres, encore que à ce stade, nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver d'ici 2023 pour commencer déjà à parler des candidatures. Je pense que c'est précoce et il faut verser cela dans le lot des flatteurs. Et nous devons éviter
Nous devons éviter ce comportement. Nous avons insisté sur le changement du comportement. Il faut éviter l'escroquerie politique et la flatterie. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Celui de le compatriote d'Impact News, et il pose des questions sur la FDC et alliés. Tout le monde, même les petits-enfants, connaissent l'histoire de la FDC et alliés. Ils savent que ce regroupement a été constitué par des compatriotes qui sont chefs de partis politiques et de personnalités depuis mars 2018. Et il y a eu un problème tout simplement parce que dans le cadre de notre exercice politique normal, et nous référons à la charte du FCC à l'article 3 qui reconnaissait à chaque regroupement et parti politique l'autonomie et la liberté d'action, nous avions exprimé une ambition en tant que deuxième force politique du pays. Nous avions exprimé notre ambition de diriger l'une des institutions de la République, ce qui est de notre droit. Et le fait d'avoir présenté notre candidature au poste de président du Sénat, nous avons été l'objet de représailles et vous connaissez la suite. Et lorsque les camarades qui nous avaient quittés, qui avaient été débauchés par ceux que vous connaissez, nous avons dit que nous les pardonnions lorsqu'ils sont revenus. Et donc c'est un pardon sincère, on n'y revient pas, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qui sont restés fidèles. Donc, nous refaisons l'unité des 41 députés nationaux de la FDC alliés et des 70 députés provinciaux et de nos sénateurs et autres élus à tous les niveaux. Au jour d'aujourd'hui, l'unité est refaite et s'il persiste deux ou trois personnes qui tardent à venir, elles viendront et elles seront toujours les bienvenues. Le TV5 pose la question de savoir si la mission sera facile ou difficile. Dans ma vie, je n'ai jamais voulu la vie facile. J'ai toujours eu des missions difficiles. Et même lorsqu'il a été question que j'exerce des fonctions publiques, j'ai toujours eu des tâches difficiles. Rappelez-vous de lorsque on m'a envoyé au ministère du Travail. Quand je suis arrivé, c'était un délabrement total. Mais au bout de 2 ans, tout avait changé et ce ministère était devenu inviable. Les établissements publics comme la CNSS, à l'époque INSS, l'INPP, l'ONEM, qui étaient en sérieuse difficulté financière, nous avons fait de sorte que ces entreprises puisse être bien géré. Et quand je suis parti, c'était l'inverse de ce que j'avais trouvé. C'était devenu des entreprises viables et qui, au lieu de recourir à des endettements, commençaient à placer des fonds importants dans les banques, à telle enseigne que la CNSS est parmi les actionnaires importants de notre compagnie nationale Congo Airways. Il n'y a pas que cela. Lorsque nous étions à l'économie, vous le savez très bien, un billet d'avion pour aller à Goma, de Kinshasa à Goma, de Kinshasa à Lubumbashi, c'était aux alentours de 850 dollars américains. J'ai appelé les compagnies, j'ai demandé qu'ils me présentent leur structure des prix et j'ai constaté qu'ils en profitaient énormément. J'ai dit, je vous laisse votre marge, mais vous devez me justifier tout ce qu'il y a comme charge, que ce soit le fuel, que ce soit les charges, que ce soit les catering et consorts. Et lorsque nous avons convenu, le prix du billet avait été baissé à 220 dollars.
donc de 850 à 220. Je ne vais pas m'étaler sur les exemples sans les jours. C'est pour vous dire que nous, on est habitués à des missions difficiles. Il ne faut jamais chercher les choses faciles. Tout est difficile, mais tout est surmontable. Et quand on a la foi en Dieu et qu'on est en bonne relation avec toute la classe politique, que ce soit l'opposition, la majorité et même la société civile, nous avons de très bonnes relations, nous allons les mettre à profit pour arriver à un très bon résultat et nous y croyons fermement que nous allons arriver à ce résultat. Et contrairement à ce que disait celui d'un fonds cédé que tout est déjà acquis, il ne faut pas vous fier aux déclarations des hommes politiques, des femmes politiques. Nous ne pouvons pas nous fier seulement aux déclarations. La preuve, c'est qu'il n'y a pas longtemps, vous avez suivi des déclarations et des contre-déclarations venant des mêmes personnes. Et donc, il ne suffit pas que les gens fassent des déclarations pour les croire. Eh bien, notre méthode avec les assistants qui sont dans le panel a consisté d'abord à prendre des contacts individuels avec les responsables des partis, des regroupements politiques, à recevoir des députés nationaux à ce stade. Et là, nous pouvons dire que c'est prometteur et ce que nous recevons, il s'engage quand même par écrit, parce qu'il fallait qu'il y ait un écrit qu'on peut opposer au tiers. Donc nous avons pris cette précaution-là. C'est pour cette raison, the head of state. And for us, we have a group which is working in a text which will be the foundation of the Sacred Union. It will be discussed with our comrades, and everybody will bring his translate in French. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. That only dumb can't change. I think we believe that our politicians have realized that we did bad for our people, and now we should change. That's why I was insisting on the change of the mentality, the behavior, and the head of state is waiting that from each one. But we can't say that he can't work with all the politicians. I think he is working in renewing the political class, but he has to work with everybody, old and the new politician, to reach the result he's waiting for. That's my answer at your two questions. Merci, nous jouons à présent la deuxième série. Manifestez-vous correctement. Monsieur le formateur, des ambitions, c'est un des livres sacrés, sans me poser problème. Je ne veux pas utiliser ma page de quoi. Vous êtes à la tête du mouvement politique AFDC Allié. En retour, bon, l'AFDC Allié espère recevoir quoi en termes de partage des responsabilités au sein des lignes. S'il te plaît. Pourquoi tu as pris le micro? Ok, vous pouvez manifester. Commandant RFI, monsieur l'informateur, l'Union sacrée de la nation n'a pas de charte, n'a pas de statut, n'a pas de fondement juridique. Mais nous pensons que c'est un état d'esprit pour tous ceux qui veulent servir la nation, d'où qu'ils viennent et à quel groupe ils appartiennent. Alors, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que dans les contacts préliminaires que vous avez eus, il y a eu
vous avez déjà une idée de ce que ça peut représenter? Est-ce que c'est vraiment une majorité? Est-ce que c'est une majorité relative? Est-ce qu'il faut encore faire des efforts? Merci. Hervé, s'il te plaît. Je suis de l'autre côté. Merci. Élisée Audiard, 707.cd. Monsieur l'informateur, en quoi consiste le rôle de vos assistants que certains considèrent comme des vice-informateurs? Et puis, à combien est estimé votre budget pendant ce un mois ou un mois plus? Merci, nous allons prendre deux questions. On commence par Zaki qui vient de l'autre côté. Neko Edouard Zaki Kikuta, producteur, animateur, présentateur, il y a émission Bongwana RTNC. Neko Modeste Bahati Lukwebo, et Sengozali Tango, population et Yoka Kite, ma pension Bende. Poete Ozala Moko, Yako Sangisa, Baiba Kurukate, et le Moya chef de l'État, Nenga Lukakite, Moko Ezala Katiaba, Tupoya population, Pena, le Bikonabango, et Kokakozo Mapesa, Nanzela, Yabo Ponami, Denge, Pato, Bayamba Kiakope, Basipela Kima Kasi. Otuna Ezali Poui, Oeleko, Samoana, et Komelakio, Nabutu, Ezala Kiponayo, et Sengo, Toi souma, bénédiction, to malédiction. Yami balé, obongami ndenge nini, po naboku taina masanga masusu, baye bazala ki ongambo esusu pe lelo, okumba epesa meliyo poya, nikolo tukumisatu. Eteni ya masolo, ezala ki ndenge nini, pe olobi, bankasa ya bobenga mito, ba invitation, et pour la Nabango, bisika bongo bazwami. Et gozala ndengeni. Otuna ya suka. Na population olobi na bango nini. Na likanisi ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyangite bomoko po ya population ezala kati na biso panso pe tizo yango ebotambuma. Lelo yo bomoko yango e gozala ndengeni nini. Pour être chef de l'État, on a pessi pesa et l'embonaye pour la confiance au pessio au Colombo et au Dengue. Merci. Une deuxième question à Lingala avec Israël Motombo de Bosolo Napolitique. Batondi, Israël Motombo, Bosolo Napolitique. Ndeko Bahati. Ozu mokumba monene o mokonzi ya mboka pe azwaki mokano kolandala bato oyo basalaki mabe ata koyepa na ye me alandela bango te. Tolobaki esi olengelami na mokumba oyo ozwi lolenge nini okokutana to pe ozokana koyamba baoyo oyo banyokolaki yo na likambo ya FDC yo lokola rassembler sika wa boye. Yami Bale, wana la tangi Steve Mbikai. Oyo, toko ze la pe, tomo na pe lo lenge, tata ko yambaba na bazongi, me baye na couleur mususu. Yami Bale, oko yamba, ba depite lo lenge nini, pamba te tozu mwa basango. C'est comme si, ba regroupement, nde ba ko yamba ma, côté monsieur Balobi bakoyamba ba député à titre individuel et boye banaté okoyamba ba to ndenge nini mangomba to pe moto na lolenge na yako ya komipesa na ndenge yokosa kasi ya suka nde kwa mwasi atuna ki makambo ya mbongo na kozonga ni kambo wana tango yo kopesa biso ya no pole na zana ba element tango monsieur kolobaka onga na yebi soki zana libando wana lokola na zana ba element mingi. De la bozon. Merci. Merci beaucoup. Nous accordons la parole à l'informateur pour les réponses. Merci beaucoup.
RTGA demande dans le cadre du partage des responsabilités qu'attend l'AFDC et Allié. Je pense que c'est justement lorsqu'on on se focalise sur ces questions-là de partage des responsabilités qu'on biaise la vision du chef de l'État. Je pense que quand nous avons accepté d'accompagner le chef de l'État dans l'Union sacrée, c'était pour que nous puissions tous réaliser que le pays est devenu la risée du monde. Alors que le pays est béni de Dieu, il regorge de beaucoup de ressources naturelles et humaines, mais le peuple n'en tire pas grand-chose. Le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Nous devons avoir un idéal. Je sais que la politique congolaise et dans la plupart des pays africains, les gens n'ont pas d'idéologie, n'ont pas de programme, mais ils cherchent à se positionner tout simplement. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que l'AFDC se contentera de ce que il recevra. Nous, nous sommes disciplinés au niveau de l'AFDC et Alliés. Ça fait 2 ans que nous avons été martyrisés, mais nous n'en sommes pas morts. Nous n'occupions pas nos postes auxquels nous avions droit, mais nous n'avons pas abandonné le combat. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que nous pouvons faire du positionnement ou de l'obtention des postes une préoccupation majeure. Donc ça, il faut le prendre pour dit. Nous n'avons aucune exigence. RFI dit que bon, il n'y a pas de charte. Est-ce que nous pouvons nous attendre à une majorité relative ou une majorité simple ou une majorité confortable? Comme je l'ai dit, en anglais tout à l'heure, c'était la même question qui a été posée en anglais en demandant pourquoi nous n'avons pas encore de charte, alors à quoi adhèrent ceux qui nous rejoignent. J'ai clairement dit que la charte, il y a un groupe d'experts qui est en train d'établir un texte martyr qui devra servir au moment opportun de discussion et d'adoption par ceux qui vont adhérer. Mais pour le moment, il s'agit d'exprimer cette adhésion à la vision du président de la République pour dire nous sommes d'accord avec vous que les choses doivent changer. Nous sommes d'accord avec vous pour abandonner les mauvaises habitudes. Nous sommes d'accord avec vous pour un état de droit. Nous sommes d'accord avec vous pour que nous puissions nous occuper en premier du peuple et de ses besoins. Nous l'exprimons. Et c'est ce qui fait l'objet des déclarations et des adhésions actuelles. Mais il viendra un moment où il y aura une charte, c'est une charte républicaine, eh bien, elle ne viendra pas remplacer, donc on n'en fera pas un regroupement politique ou un parti politique. C'est juste mettre ensemble des gens qui ont la même vision et qui veulent réellement travailler pour le peuple congolais. Quant à la majorité, je ne peux pas d'emblée vous dire quel sera le résultat. Évidemment, le souhait, c'est d'avoir une majorité confortable qui puisse nous permettre d'engager les réformes. Dans mon speech, dans mon discours, j'ai parlé des réformes institutionnelles, des réformes électorales. Pour que ces réformes soient engagées et qu'elles aboutissent, nous avons besoin d'une majorité confortable. Mais au début, si nous pouvons déjà avoir une majorité simple, une majorité qui nous permette de mettre en place les institutions, notamment le gouvernement, ce sera déjà un bon départ. Donc, il serait prétentieux de dire que nous allons arriver à une majorité de 300, de 350 députés nationaux, de 60 sénateurs, de 80 sénateurs.
ce serait mettre la charrue devant le bœuf. Nous devons travailler. Vous savez que quand on est prétentieux et qu'on n'a pas d'humilité, on risque de ne pas réussir la mission. Nous, nous gardons notre humilité en nous disant, nous allons vers ceux qui peuvent nous doter de cette majorité, nous y allons humblement et respectueusement avec l'espoir qu'ils seront convaincus que nous sommes en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, Madame Odia, de 7 sur 7.cd, demande si les assistants, ceux qui sont avec moi ici, dans le panel, si ce sont des vice-informateurs. Je dis non. La Constitution, elle est claire. L'informateur est un seul. Mais on ne peut pas s'empêcher de s'entourer d'une équipe. Vous aurez remarqué qu'elle répond à toutes les zones linguistiques de notre pays. Vous avez l'espace swahilophone, l'espace lingalophone, l'espace Congo ou Munukutuba, si vous voulez bien. Vous avez l'espace Luba et donc Luba y compris toutes les langues du centre, Tetela et Songhe, Choko et consorts. Donc, mais vous remarquerez que en tout cas il y a une représentation du nord, du centre, de l'est, de l'ouest et du sud et du pays. Ça, c'est le choix discrétionnaire du chef de l'État. Donc, ce n'est pas moi qui les ai choisis, je les ai accueillis et nous travaillons en toute harmonie. Il n'y a aucun problème. La question du budget, elle m'intéresse aussi parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux quelqu'un dire qu'on a débloqué 1 500 000 dollars pour le travail de l'informateur. Je dois vous dire qu'il n'y a pas de délation que celle-là. C'est vraiment une délation. C'est de la méchanceté, je peux dire. J'espère que le journaliste Israël Mutombo va vous exhiber ici la preuve du déblocage d'1 500 000 dollars. Au moment où je vous parle, moi j'aime être sincère et honnête. Mais mes camarades sont là. Ils savent qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas un seul dollar qui est sorti pour l'informateur. Au moment où nous parlons, même pour couvrir cette cérémonie, j'ai appelé mon chargé de presse ce matin chez moi à la maison pour lui donner de ma poche, de la poche de mon épouse, une provision pour qu'il puisse ne fût-ce que couvrir cet événement. C'est sorti de ma poche. Très souvent, les gens s'attaquent au président Tshisekedi en disant « Même à son époque, on arrête les gens. » Mais imaginez si moi j'étais quelqu'un qui est tourné. Parce que moi, je banalise parfois des pareilles accusations. Je les banalise. Hein. Mais quelqu'un d'autre aurait pu tenter un procès. Et quand on vous condamne, on va dire « On s'attaque à la presse. » Mais j'espère que tout à l'heure, il va nous donner ses sources et il va apporter les preuves. Parce qu'en matière de paiement, on n'invente rien. Si on débloque l'argent, il doit y avoir une pièce justificative. J'espère que nous allons l'avoir ici, tout à l'heure. Donc, nous devons écouter la parole. Nayango, Nakobi, on a fait ça et on a mis tout là. On a vu ça et on a vu ça. Na lingala ndefozaki atuni ete mokolo oyo mokonzi ya mboka ponaki ngai pona zala informateur atuni soki ezalaki esengoto lisuma ata yo moko ndekozaki ndenge nini ngai nakoki kosepela te soki mokonzi ya mboka poni ngai naza kokumba wana eza koleka kutu esengo nakoki koloba na lifala se ete ezali kutu benediction
Les Aripamboli, les Abongote. Et donc, il y a pas été, les Aki, les Sengo, Ponangai, Pona famille, Pona regroupement politique, Naba, Oyonion, Sobaibi, Bitumba, Bissotobunda, Banda, Conférence nationale souveraine pour les canards, société civile, Tobunda, Kamikolona, Mikolo, Pona, Bongwana. Et ça, la carte yango cannabiso. Boyebi yango, boyebi histoire yango cannabiso. Si quoi pona kokuta na masanga mususu, biso toko ponate, toko kuta na toko linga tokuta na batonyoso. Na oyo batikala na ngambo kuna, na oyo bazali kote na biso. Po basengi biso, to pesa nombre ya ba oyo bakoki ko constitue coalition majoritaire. Et donc, coalition, on a tout le monde, et si on a tout le monde, et si on a tout le monde, même si on a tout le monde, on a tout le monde, Mikanda, y a Kobenga Bango, on a tout le monde, parce que tout ça, c'est ennemi de. Biso yonso toza kaka ba Congolais, tozo luka bolamu ya mboka, bolamu ya peuple. Ba politisyen nyonso balobaka yango, meme soyi msusu basale la kangote kasi. Politisyen atamu kwa se alobate kengayi na yawa, pona kosale la peuple te. Nyonso balobaka ete bazo sale la peuple, intere ya peuple. Na yango nazana edikia ete, ba oyo balingi mbongo na eko manamboka na biso, bakoya. Soki msusu bayete na kukiko tia bango singa na kingote. Na koki koti asina na kimote. Donc, oyo bakoya, baye, to sololi. Soki oyo bakoya, bape singai, libaku ya koko kisa, nombre ya majorite, na kosepe la mingi. Kasi do lingi, bango yon so baya. Parce que même so lingi kotikala na opposition. Kasi, ifo ya kono bango, kengai na lingi na tikala na opposition. Donc, pour répondre à l'invitation, ezakaka les gens de Bato et Baza bien éduqués. Eza bongote. Alors, pour la koyamba, tous les gens méthode de Bélé, pour la koyamba, nous sommes en groupe, nous sommes en caucus provincial, nous sommes en moko, nous sommes en besoin de Bato. Nous sommes en moko, nous sommes en ça a signé fiche na biso to se peli. Oyo bakoya en groupe ya regroupement ou bien parti politique to yambi bango. Soyi ba signé ba fiche ya adhésion na union sacrée to se peli. Mususu soyi ba ye na cadre ya caucus provincial to koyamba bango. Donc to exclure ata méthode de mon côté. L'essentiel to koba ti na résultat et monana na suka ya musala na biso. Si koyo pona ba oyo ndenge nini nasina lobeli yango ete biso to pesi bolimbisi na ba oyo balongwake pa na biso toyebi ete mingi bazalaki menase mingi ba pesa yi bango ba promesse ya ba poste ba mbongo et tout ça bolongo kuna epa ya bahati bosala oyo bino FDC alie. Mais boyebi mibeko ya mboka elobi ete soki parti songolo et si ezui appellation AFDC allié, eh bien mutu mosusu akoki kozwa appellation na te so lingi kosala na bahati te okeli ya yo parti politique, c'est plus simple. Mais okozwa mandat na biso te ovandela yango odonda na yango ozwa ba avantage. Bon, si ma, on va la critiquer. Nan, il n'y a pas de combat à mon tout. Kaka, Israël est mon tout à ni combo ya. Nde komo kwa wa. Be, na yo kaki, kaka nde kowana nde abandiko, kolo, a komisi kote sekediste koleka batimion soa kwa. Tome sana makambwana. On a biso, to lobi ete, meme oyaza koloba. Meme oyaza koloba. Ba député naye nyonso basi bazongi a part moi si naye parce moi si naye za député ye mutu a remplacer na parlement encore que makambwana il faut
tosi lisango na ba réforme notre sang. Eza normal te oza candidat suppléant na yo mwana na yo suppléante na yo mwasi na yo non totika makambo wana. D'ailleurs eza stratégie malamu te. So oza na stratégie électorale ya malamu oza na kati ya circonscription. Yo oza mutu ya nord na kati ya circonscription. Il faut pour na mutu ya sud pour batu ya sud ba ya komema ba voix na bango o sangisa. Mais so ozwi mwasi na yo mais boza na même espace. Ozwi mwana na yo boza na même espace. Donc na na banzi na ba réforme oyo ezali koya biso na AFDC allié aussi to pesa yi déjà oyo biso makanisi to lobaki ete makambo na ifo sila. Deuxièmement, il faudra que le gouverneur soit élu dans le suffrage universel pour éviter le chantage de la députée de la convention. Même ceux qui ont été élus, ils 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 ont été prétexte ya konyokola ba gouverneur te. Batika basala. Ce qui va saler rapport et salemi et comme soit la justice ou bien ma cambia mboka ma konzi mboka kasi moi liberté d'action ezala. Donc on a ma kamboyo ya ba consultation na sina lobeli yango tozana plusieurs méthodes awa na kati ya sale na kanisi ba député pe ya parti travailliste bazalia. Batsali, ah, Bango, Didier Kabambwele, Jean-Pierre Kayembe, Bazawana, Nazobel, Bazawana. Donc, il y a un cadre député. Toi, Baza, Awa, Basi, Bazon, Kaka, moi, si la Yembe, la Bazon. Yo, Soana, je peux s'indiquer. Ah, d'ailleurs, on a fait un bisanga que même moi, si je n'ai pas à signer fiche. Donc, Atikali Yemoko, Azape député. Yemoko, Moukatu, Moulaki, Bissoriso, tu as un problème dans mon côté. Yango, la lobby était. Bosali sabiso to mema mbongwa na ya solo na kati ya mboka na biso toti kabilobalo so kindeko Israel mutomba ko kiko ya awa ala kisabiso mwe ya 1 million pièce contre pièce makoya ko tumba ndako na ngai ko kanisa kena sana mbongo makoya ko tumba ndako ya ba assistant ya panel alors que bazawana atamu kwa zui 1 dollar te 1 franc congolais. Voilà. S'il vous plaît. Israël. Pour la boyoka mingi yo. Ezali débat entre ngai journaliste na yo moto bengi sibiso. Wana na bosala ngote. Soko pesika libakumba le boya ata na émission soki makoki ezala boloka. Kasi na rappeler question ya ndeko Odia. Budget ekozala boni to pesa ya boni. Voilà. Biso lero mapesi biso okumba. Il faut identifier le bateau. Tu connais ça qui te que tu poses la pensée dans la défense et dans la salle. En tout cas, d'emblée, exactement. Parce que si on m'a dit que là, ici, quand on a salé là, là, si on a installé le secrétariat dans le gars, mais quand on a eu le Kabola, et pas dans le bino, tout ça, eh bien, nous sommes tous les gens qui ont salé le macaca, dans les moyens propres. Ce qui moi dotation et kozala voilà les angai nous na koki ko décider na ngote mais biso tozo sala avec nos propres moyens
ba membre ya panel bazawana mutu na mutu aza ko supporter ba to azo sala na ye jusque là en tout cas na noto sali état de besoin te ya koloba wala budget ya ngoy non zo to sali ya ngoy. Ce qui nous importe pour le moment, d'abord résultat à Moussala, où nous conseillons à sa émission. Ce qui est l'occasion des alités, c'est que nous avons des alités. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec la troisième série et la dernière. Nous allons donner la parole à Fabien Lubala de Télé 50. Écoute, à moi aussi. Merci de la parole, monsieur le formateur. Je voudrais savoir dans votre mission. Allô? Merci de la parole, monsieur le formateur. Je voudrais savoir, dans votre démarche d'identifier une nouvelle coalition, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt 1453, qu'est-ce qu'il vous inspire dans cette démarche? Je vous remercie. Merci. C'est Patrick Kamabutu pour les comptes de la RTVS 1, Nicolas Moudizo en Swahili. Présidente Nakayua, est-ce que Imachi, comme ma déclaration à ma députée, il y a Ensemble pour la République, ma MLC, il a chamboulé ma calcul, il y a informateur. Merci beaucoup, Innocent Olenga, pour les comptes des scoops RTC.net. Honorable Modeste Bahati, comment vous sentez-vous lorsque on vous appelle vieux Maradona qui sait bien dribbler et qui est toujours du bon côté? Merci. Mimi Engumba pour le compte de Dépêche.cd. Monsieur le sénateur, monsieur l'informateur, d'après vous, quels sont les éléments qui ont milité pour votre choix comme informateur? Et deuxième question, depuis quelques jours, la presse fait état des hésitations du parti politique, des députés du parti politique Ensemble. Pensez-vous que cela puisse représenter un blocage ou des difficultés par rapport à votre travail? Merci. Merci. Christian, mimi ni Denise Mwanga, Radio de la Femme. Nahitaji kujua wanawake ni wangapi katika ofisi mpya ambayo unashurutishwa kuongoza. Asante. Merci beaucoup. Osez mandat d'Adopt.fm, deux petites questions, je crois. Après l'annonce des numéros sacrés par le chef de l'État, on a senti l'engouement des regroupements et partis politiques qui s'annonçaient à adhérer justement à cette union. Vous avez dit ici, c'est un état d'esprit, nous avons remarqué, si pour certains regroupements du FCC, c'est prononcé pour adhérer à l'Union sacrée, d'autres par contre, restaient fidèles à Joseph Kabila Kabange, qui est l'autorité morale de ces regroupements. Vous avez dit que vous allez envoyer des lettres aux regroupements politiques. Comment est-ce que vous allez procéder, notamment pour les regroupements où il y a les dédoublements? Je prends par exemple les cas de l'ADRP et les cas de AAAA, des Pius Mabulu et Koponyangi, ADRP de François Robota et Raphaël Ouno. Comment vous allez procéder alors qu'il n'y a pas de décision de justice établissant la paternité et la gestion de ces regroupements? À qui vous allez adresser des invitations pour être consultés dans le cadre justement de votre mission? Merci, nous allons donner la parole à l'informateur pour répondre à cette dernière question. Merci beaucoup. Madame Mimi Engumba, ministre honoraire de l'Équateur, elle demande quels sont les éléments qui ont milité pour mon choix. Vous comprenez tout de suite que le choix, c'est le chef de l'État qui l'a opéré. Sûrement, il s'est basé sur
ses propres critères qui lui restent internes. Donc, je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'elle a poussé à porter son choix sur ma personne. Il pouvait porter ce choix sur une autre personnalité, une femme, un homme. Donc, je ne sais pas vous dire quels sont les éléments qui ont poussé le chef de l'État à porter son choix sur ma modeste personne. Les députés de Ensemble, nous avons suivi les déclarations des uns et des autres. Tout ce que nous pouvons prodiguer comme conseil, c'est que il faut éviter des déclarations incendiaires lorsqu'on est dans un processus de transformation. Nous sommes en pleine révolution démocratique. Et je pense que les extrémistes de tous bords, il faudrait qu'on puisse les gérer et les contenir pour qu'ils ne viennent pas compromettre toutes les chances de refaire l'union sacrée de la nation et donc de se consacrer au travail du peuple congolais. Ce que j'ai retenu, c'est que formellement, Ensemble n'a pas écrit pour dire qu'il se retire du processus de constitution de l'union sacrée de la nation. Notre espoir, c'est qu'il n'en arrive pas là, parce que nous avons besoin de tout le monde. Même d'un député, nous en avons besoin. Le seul indépendant qui a été élu, l'aide de Bafassende, c'est votre confrère Ipakala. C'est le seul indépendant. Tous les autres ont été élus sur des listes de partis et de regroupements politiques. Même cet indépendant-là, nous en avons besoin. Et je l'ai appelé et il est venu. Donc c'est pour vous dire que l'union fait la force. Nous avons besoin de tout le monde. Donc que les gens cessent avec ces discours qui nous divisent inutilement. Certains ont sûrement des calculs, de repositionnement, mais cette question peut être examinée après. Battons-nous d'abord pour l'essentiel. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. En tout cas, il n'y a pas eu une déclaration écrite. J'ai suivi des intervenants dans les médias, à gauche, à droite, et nous les conseillons de mettre de l'eau dans leur vin pour l'intérêt du peuple congolais, parce que les gens, l'opinion international et même national se moquent de nous lorsqu'ils voient que nous sommes continuellement dans les chamailleries. Ça ne profite pas au peuple et ça dénature, ça déstructure même l'image de notre pays. Il y a une question en Swahili. Dada Mupenzi, unasema, unauliza, katika timu yangu hii inayokunizunguka kuna wanawake ngapi? Nasema ati kazi ninapewa ni kazi ya siku 30 tu. Haiko institution, haiko structure yenye tabaki milele, ni kwa mafikiri. Siseme kama wanawake hawezi kuleta mafikiri. Ila si mimi niliwachagua. Wengine wangeniuliza ningeweza sema kweli ndio kuwe pia wanawake katika timu hiyo ambayo inanisindikiza katika panel. Ila kwa sasa, wewe na mimi, tunaona kama kwa sasa ni wanaume. Tuseme basi, tunatoa toba na huruma ya kusema kumbe kumefanyika kakosa kidogo. Ila nitafikisha ulizo lako kwa mkubwa wa nchi. Asante. Je vais traduire rapidement. Je vais traduire. Ma compatriote a demandé combien de femmes il y a dans le panel des assistants. J'ai dit que d'abord, ce n'est pas moi qui ai choisi les membres du panel. J'ai dit également que, effectivement, il faut que nous soyons regardants sur toutes ces questions du genre. Et j'ai promis de transmettre
sa doléance auprès de l'autorité suprême qui a le pouvoir de nomination. Mais j'ai dit également que nous sommes là pour quelques jours, ce n'est pas une institution pour qu'on dise bon, combien de gens, combien de femmes vous comptez recruter. Et c'est pour répondre même à celui qui demandait si on a un budget structuré et tout ça. Nous sommes là pour quelques jours. On peut disposer de quelques moyens quand on nous les donnera. Ça permettra sûrement de payer quelques primes, surtout à nos collaborateurs qui restent avec nous jusque tard, à payer des fournitures de bureaux et à couvrir aussi les médias parce que la couverture médiatique coûte très cher. Pour ceux qui n'ont pas de parti politique, le jour où vous allez créer le parti, vous allez vous rendre compte ce que coûte la couverture médiatique. Rien qu'en prenant ceux qui sont là, lorsque vous donnez rien que 100 dollars de transport pour permettre de payer un intrant, et quand vous multipliez par le nombre des gens qui sont là, vous voyez vous-même ce que ça veut dire. Et si vous devez faire une diffusion dans une chaîne de télévision, dans une radio, un article dans la presse écrite ou dans les médias en ligne, vous savez vous-même ce que ça coûte. Bref, pour dire que n'étant pas une institution pérenne, je ne pense pas qu'il y ait de recrutement à faire, mais effectivement, il faut que nous soyons regardants sur ces questions du genre. Je ferai rapport à qui de droit. Je voulais donc traduire la réponse que j'ai donnée en swahili. Je ne l'ai pas fait pour le lingala parce que la plupart, en tout cas, je crois 98% de ceux qui sont dans la salle, ils écoutent bien et ils parlent même le lingala. Osé Manzanza dit, voilà, au niveau du FCC, c'est vrai, il y a des regroupements et des partis et des personnalités qui ont adhéré à l'Union Sacrée, d'autres qui sont restés. Et lorsqu'il faudra prendre contact avec quelle portion, avec qui allons-nous prendre contact? Bon, nous allons travailler dans la légalité. Ça, je peux vous le dire. Vous avez cité AAA. Il y a eu un jugement, il y a eu un arrêt qui a remis le ministre Pius Mwabilu, qui est représenté par la professeure Marie Nyange, dans les droits de la présidence, donc de leadership de AAA. Et je crois qu'ADRP également, il y a eu une réunion de l'organe suprême. Comme vous le savez, dans tous les regroupements, l'organe suprême, c'est la conférence des présidents qui a décidé à la majorité de confier la gestion à M. François Rubota. Mais donc, nous en tiendrons, si les gens n'apportent pas les documents, nous avons le journal officiel qui nous renseigne sur toutes les données. Parce que vous pouvez faire quelque chose si vous n'avez pas signalé ça au ministère de l'Intérieur et que ce n'est pas publié au journal officiel, ce n'est pas opposable tiers. C'est ça la légalité aussi. Et donc, nous ferons de notre mieux pour qu'on puisse rester dans la légalité. Mais comme vous le savez aussi, notre souci, c'est d'essayer de réconcilier aussi les uns et les autres. Ce processus est en cours en ce qui concerne les Palou et tant d'autres, parce que nous voulons refaire l'unité. Voilà les éléments de réponse que je peux donner à ce stade aux questions qui m'ont été posées. Je vous remercie infiniment. Veuillez vous lever pour l'hymne national. De la conférence de presse. Et tout est bon, et nous le fait,
l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni, des aïeux, au pays, bien-aimé, nous peuplerons ton soleil. Sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de